On reçoit des mineurs de plusieurs pays, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous essayons avec les collègues des pays d'origine de retracer la famille de ce mineur. Donc après cette procédure de retracement, il faut aussi voir si le retour de cet enfant-là est dans son meilleur intérêt dans son pays. Avec la situation, les retours en famille n'étaient plus possibles pour ces enfants-là. Donc il fallait trouver aussi des mécanismes pour leur faire patienter, pour leur faire oublier le stress de la pandémie qui est là. La migration, tant qu'on ne la vit pas, on ne peut pas la comprendre. Donc vraiment, je fais un appel aux parents de faire en sorte que leurs enfants aillent à l'école. Je mets mon enfant à leur place. Je me dis, si mon enfant se trouve dans une telle situation, j'aimerais vraiment qu'il y ait des gens qui soient là aussi pour l'aider.